Salut à tous et soyez les bienvenus. Chut, nous entrons dans un atelier d'artistes. Venez. Hoje eu vou te apresentar esse espaço mágico que é o ateliê do meu pai. Mas é claro que eu vou fazer isso em francês para que você aprenda vocabulário e treine seus ouvidos. Alors soyez les bienvenus et venez faire le tour. Première chose que nous voyons ici, un chevalet, un vrai et très ancien chevalet où les artistes mettent leur toile, où ils peuvent peindre. Le verbe typique de mon père, c'est le verbe peindre. Et dans son atelier, vous voyez aussi une sculpture en bronze. Une sculpture en bronze. Ici, un instrument que j'adorais quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, j'ai mal dit, c'est une presse à gravure pour imprimer les gravures. Je ne vais pas trop tourner, mais on tourne comme ça et c'était un instrument que j'adorais quand j'étais enfant. Ici, rapidement, un artiste en action, il est en train de peindre et je suis en train de l'interrompre. Tu peux continuer, papa, merci. Des petits fouillis, ça c'est normal dans les ateliers. Donc des tubes de peinture, du produit pour moustiques, une gomme à crayon à papier, un cutter, ça s'appelle un cutter, qui était ouvert, c'est dangereux, je le ferme, une éponge et puis des pinceaux. Des pinceaux plus petits, des pinceaux un peu plus grands et de l'eau sale avec de la peinture. Ici, ça, mon père commence toujours avec ça quand il va faire un travail. C'est du fusain, du fusain. Ça écrit en noir et il s'en sert pour faire les premiers traits de ses tableaux. Des petits plateaux, trucs en plastique qu'il utilise pour mélanger ses peintures. Du papier qu'il utilise, il teint ce papier et puis il utilise pour le coller, par exemple ici. Il a collé du papier comme ça sur une toile. Donc bien sûr, dans son matériel, vous allez trouver de la colle aussi. Et puis venez de l'autre côté. Donc ici, nous avons des gravures, probablement, je pense, des travaux en papier avec des cadres. Ils sont encadrés, on dit. Peut-être que vous allez voir le reflet. Mais ça, c'est un encadrement en acrylique. Heureusement que papa est là pour me dire en quoi c'est. Mon père travaille avec de la peinture à huile, c'est ça papa? Oui. De la peinture à huile. Et de l'acrylique aussi. Et de l'acrylique aussi. Donc de la peinture à l'huile et de l'acrylique. Ce sont les types de peinture. Mais j'ai quand même vu qu'il a une petite boîte d'aquarelle cachée sur sa table. Je ne sais pas pourquoi. Pour les gravures. Tu as une petite boîte d'aquarelle là, je l'ai vue. Là, je l'ai pris en flagrant. Mais ce qui est intéressant dans un atelier d'artiste, c'est tout le travail de cet artiste, mais aussi voir le processus du travail. Donc venez m'accompagner. Ici, on a d'autres peintures. Je vais vous montrer la quantité de tableaux qu'il garde ici, au fond. Venez. Là, c'est son range-tout. C'est l'endroit où il met, c'est un des espaces où il garde toutes les toiles qu'il a déjà faites dans la vie. Donc il y en a pas mal. Et quand quelqu'un veut venir voir une toile, ben, il sort tout ça. Et dans un atelier d'artiste, il y a toujours des petits coins avec plein de petits trésors. J'adorais ça quand j'étais petite. Ici, je vous présente la cuisine. Mais pour arriver dans la cuisine, on a plein de petits objets. Ça me fait toujours penser à la maison du poète Neruda, aussi au Chili, où il y avait plein de petits objets. Donc il y a des petits verres en verre, des pinceaux, des objets bizarres, des pinceaux chinois, je ne sais pas, des figurines de... Alors ça, vous n'allez pas croire, ce sont des petites figurines de Galette des Rois en France. Des personnages, des bateaux, des bouteilles de toutes les formes, des objets un peu inattendus, comme ça, par exemple. Des images de référence,
comme des images, une photo de Picasso, des photographies, des cartes postales, des tas de livres, des livres à lui, des livres d'autres artistes, des tas de pinceaux et la cuisine. Je vais vous montrer encore une collection de petites boîtes, une collection de petites boîtes avec quand même des photos de mon frère et de moi quand on était petit et même quand on était grand. Et voilà. Et puis le reste, c'est la cuisine, la musique, le café, l'évier. Et voilà le tout pour avoir un atelier d'artiste. Est-ce que vous étiez déjà entré dans un atelier d'artiste? Est-ce que vous avez appris aujourd'hui un peu de vocabulaire du monde de l'art? J'espère que oui. Et si vous avez aimé cette vidéo 100% en français, écrivez-moi dans les commentaires. Peut-être qu'un jour je pourrai convaincre mon père à faire ce tour avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao !